Salut, salut, bienvenue sur Another Homepage. C'est toujours Nils qui est là. Oh, il y a déjà pas mal de messages, dites donc, hey. Salut à toutes et à tous, salut Manon. T'inquiète pas Manon, je suis là, pas besoin de s'inquiéter. Salut à toi Xavier, j'espère que tu vas bien, j'espère que vous avez toutes et tous d'ailleurs passé une bonne journée. Salut à toi aussi Haribo. Salut Chavenet, salut à toi et salut Rancune. Et ben, que de monde aujourd'hui. Ah, visiblement Rancune a un petit décalage horaire. Monsieur est ailleurs dans le monde. Il est quelque part sur un autre fuseau. Et il a 5 heures de décalage. Dis donc. D'ailleurs, ça va être l'occasion. Et ben on va commencer avant même de vous raconter de quoi il est question. Oh! Tu vas voir une fusée décoller, Rancune? Un petit CD, hop. Hop, alors. C'est pas grave, écoute. Je sais pas si ça va te consoler, mais petit shoot-out pour Rancune, qui parle d'électronique sur sa chaîne. Allez, posez vos follow pour celles et ceux qui n'auraient pas déjà posé leur follow. Il fait un stage commando où il cherche de l'or. Oui, remarquez, en ce moment, il n'y a pas trop de live de Rancune, à moins qu'il ait la bande passante pour faire un live depuis Kourou, mais je ne suis pas qu'avec le décalage horaire, ce soit pas évident pour tout le monde. Je t'en prie, Rancune, ça me fait plaisir. Alors, bien. Avec un téléphone... Oui, bonjour, la note. Effectivement, Xavier. Alors, je suis en train de penser à... Je sais pas quel est... mais bon, il aurait fallu y penser avant, c'est se prendre un abonnement chez Starlink, même si j'avoue que je suis pas forcément... Surtout que le décalage fait que... Ah, tu es en cours. Ou alors ce sera à 3h du mat. Ah oui. Oui, effectivement, Chavenet, je pensais aussi à Starlink. Après d'un côté, comment dire, sur le plan tech, Starlink, ça a l'air de répondre à un besoin. Ce qui, dans l'absolu, ce qui est une bonne chose. Mais d'un autre côté, j'avais cru comprendre que la galaxie de satellites Starlink posait un problème aux gens qui souhaitent observer le ciel et les étoiles. Sur sa chaîne, il n'est pas encore arrivé à comment construire un satellite et l'envoyer sur une Ariane 5. On en est encore à Ariane 5? Il n'y avait pas une Ariane 6 dans les cartons? Bon, pendant ce temps, on va peut-être rappeler un peu l'idée du stream de ce soir. Alors, en gros, on est donc un jeudi, et les jeudis, c'est indiqué là, on fait de l'automatisation de conteneurs. Alors, c'est-à-dire qu'Ariane 6 a un an et demi de retard. Eh ben... Non, Ariane 6 n'attend pas mon automatisation de conteneur, je vous rassure. Eh bien, l'idée, en fait, c'est de prendre un petit VPS. Un petit VPS, genre vous prenez, je sais pas moi, le FreeTier chez... j'ai envie de dire chez Google ou chez Oracle ou un serveur dédié pour pas cher, genre les trucs qu'on trouve à 1$ par mois chez Low-End Box, par exemple, pour ne pas... alors je veux pas leur faire la pub, hein, mais par exemple, vous trouvez pas mal de cloud providers qui ont des offres vraiment, planchées et qui généralement sont mises en avant sur le site Low-End Box. Chavenet, je crois qu'on peut arriver sur des tarifs de ce genre-là. Tiens, tu sais quoi, on va aller faire la recherche maintenant. On va passer, hop, là-dessus. Et généralement, moi, je tape Low-End Box.
sur mon moteur de recherche favori, on tombe sur lewenbox.com et qui, selon la localisation, permet de trouver du VPS pour relativement pas cher. Alors attention, hein, attention, c'est pas cher. Ça veut pas dire que c'est de bonne... comment dire ? Faut pas non plus s'attendre à quelque chose de fantastique. Et j'avais vu passer, voilà, Best Cheap VPS Hosting 2023. Hop. Et en gros, là, visiblement, il y en a un qui s'appelle Racknerd qui propose 10,28$ à l'année. Alors, est-ce que c'est toujours valide ? Est-ce que c'est toujours valide ? Et qu'est-ce qu'on a à ce tarif-là ? Alors, a priori, ça marche toujours, 10,28$. Alors, je ne sais pas où est localisée la machine. Je ne sais pas où est... Ah, San José, California, Atlanta, Ashburn. Donc, c'est aux US, par contre. Donc, vous allez peut-être éviter d'en faire une seedbox. Qu'est-ce qu'on a comme système d'exploitation ? Il propose du CentOS Stream 9, de l'Alma Linux 9, du Rocky Linux 9, Debian 11... Même s'ils disent recommander au moins 2 Go de RAM. Bah oui, mais t'as combien en... Ah, il y a 768 mégas. Ouais, tu parles d'une dernière Debian avec 768. Non, mais ouais, exactement, pour faire des essais, c'est jouable. Après, pour faire des essais, honnêtement, j'aurais tendance à aller taper dans le fritière de... d'autres... Enfin, de certaines entreprises. Je pense notamment à AWS, t'as un fritière pendant un an, je crois. GCP, t'as un fritière aussi. Oracle, t'as un fritière. Je sais pas si tu as un fritière chez Azure. Et je ne sais pas s'il y en a un chez Alibaba. Mais oui, carrément. Donc en gros, l'idée, c'est que, à la base... Alors, le but, c'était pas de vous montrer des offres de dédiées pour pas cher. Mais c'était de dire, voilà, supposons qu'on veuille faire des essais ou qu'on veut juste une petite machine pour pas cher, voire gratuit, on a quand même envie, des fois, de mettre plusieurs services dessus. Et lorsqu'on veut mettre plusieurs services dessus, il faut quand même faire un petit peu de segmentation. Et l'idée, en fait, de ces streams, c'est donc de faire de la segmentation à base de conteneurs et de tenter d'automatiser cette segmentation. Pour la technologie de conteneur, aujourd'hui, la technologie de conteneur que tout le monde, ou presque, utilise quand on est sur un système Linux, c'est Docker. Mais j'aime pas forcément faire les choses comme tout le monde, donc moi j'utilise Podman, qui a l'avantage d'être, on va dire, à peu près compatible. Alors qu'est-ce que j'entends par à peu près compatible ? Tout simplement que, en gros, vous pouvez faire alias Podman égale Docker, ou Docker égale Podman, je crois. Oui, alias Docker égale Podman. Et normalement, vous voyez pas trop la différence. Alors, sous le capot, il y a des différences, c'est pas le même logiciel, mais ça fonctionne plutôt pas mal. Et puis pour l'automatisation, là par contre, je suis resté sur le truc que tout le monde utilise, à savoir Ansible. Et comme toujours, je vais aller vous redonner le lien vers le dépôt, puisque tout ça est bien entendu public. Et vous pouvez aller sur ce petit lien. Alors, qui ne contient pas ce qu'on a fait la semaine dernière. Tout simplement parce que la semaine dernière, on est tombé sur un os. Et je voulais attendre de résoudre le truc. Si jamais je ne le résous pas cette semaine, j'essaierai peut-être de créer une branche. Je créerai une deuxième branche et je mettrai le truc dedans. Si jamais il y a des gens qui ont envie de regarder. Donc, qu'est-ce qu'on a exactement comme service ou comme... qu'est-ce que j'ai mis dedans, en fait, dans cette histoire de dépôt. Tiens, d'ailleurs, que je vais peut-être vous montrer. Salut à toi, Aka Tukwai, et bienvenue sur la chaîne. Hop. Donc, en gros, l'idée, c'est d'avoir un repo Ansible. Et ce repo Ansible, il contient un rôle qui s'appelle VPS. Et dans ce rôle, on va trouver tout ce qu'il faut pour aller déployer un certain nombre de conteneurs de façon automatisée. Et en gros, ces conteneurs, ils vont permettre de mettre en place notamment plusieurs sites internet derrière un reverse proxy. Si je vous montre d'ailleurs en direct sur la machine sur laquelle je développe,
avec des gros guillemets. Bah là, vous pouvez voir, j'ai fait un sudo podman ps tout à l'heure. Et on peut voir que j'ai donc trois conteneurs Nginx. J'en ai un qui s'appelle site 1, un qui s'appelle site 2 et un troisième qui s'appelle reverse proxy. Et j'ai un troisième conteneur qui lui s'appelle PyHole. Et en gros, un quatrième. Et en gros, ce que j'aimerais faire ensuite, c'est rajouter un cinquième conteneur et mettre un VPN sur ce conteneur. Comme ça, en fait, le PyHole sera accessible via le VPN. Donc l'idée à terme, c'est de pouvoir mettre donc ça sur un serveur virtuel à pas cher pour pouvoir avoir, entre guillemets, mon VPN perso avec un PyHole pour pouvoir un peu nettoyer, entre guillemets, ma connexion Internet sortante quand je me connecte à ce VPN. Tout en ayant, bien entendu, la possibilité d'héberger plusieurs sites web avec diverses technologies. C'est pourquoi j'ai mis un reverse proxy. Alors, tout ça, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, ça fonctionnait, on va dire, à peu près, ça marchotait. Et la semaine dernière, en fait, on s'est rendu compte d'un truc. Hop, je vais aller tout de suite côté code. Et en gros, ce qui se passait, c'est que j'avais une première tâche Ansible qui consistait à créer une arborescence basique pour chacun de mes conteneurs. Alors pourquoi cette arborescence basique? Eh bien, pour pouvoir stocker plusieurs choses. La première, c'est pour pouvoir stocker en fait les configurations. C'est-à-dire que on a trois conteneurs qui sont en Nginx, un conteneur PyHole. En fait, bah, ces quatre conteneurs, ils ont une configuration. Et il faut quand même la stocker quelque part. Si on la laisse dans le conteneur, bah, en gros, va falloir que je régénère un conteneur chaque fois que je change la conf. Et comme en plus je me base sur des images déjà existantes, et que j'ai pas envie d'aller maintenir mes propres images avec des bouts de conf à moi qui de fait se retrouveraient publics, il vaut mieux avoir des volumes qui, eux, sont attachés au moment de la création du conteneur. On a donc la configuration. On a aussi les logs, ce qu'il faut y penser quand même, de garder les logs. Alors certains peut-être s'en moquent. Moi, ça m'intéresse des fois de garder un peu les logs d'un redémarrage à l'autre. Et dans le cas de mes conteneurs, mes remarques, ça pourrait aussi marcher pour d'autres, pour le PyHole, pour pouvoir conserver notamment les données de statistiques, et bien justement des volumes qui permettent de stocker le contenu. Donc dans le cas de mes PyHole, de mes Nginx, bah, en gros l'équivalent du document root, enfin du root. Enfin, pas du mot de passe, mais ce que je veux dire, c'est de la racine, les pages web, quoi. Ou voire même l'application. Dans le cas où je mettrais genre un autre conteneur à la place d'un Nginx, je sais pas, moi je mettrais un truc Python, Java, non, pas Node.js, non. Ou peut-être, ça dépendrait, mais c'est possible. Bref, toujours est-il que, voilà, ces histoires de volume, ça permettrait... Oh, salut Fixou Lab, c'est cool d'être là. Alors les gens, bien entendu, hein, Fixou Lab, c'est aussi quelqu'un de formidable qui stream de temps en temps, pour pas dire régulièrement. Et donc, je vous encourage, si vous n'êtes pas déjà en train de suivre sa chaîne, d'aller poser vos follow. Je me rends compte un truc, c'est que je t'ai juste salué Aka Tukuai, mais je t'ai pas demandé si tu connaissais un peu la chaîne ou si tu débarques au moment où tu dis bonjour. Mais je t'en prie, Fixou, ça me fait plaisir. Hop. Alors, donc pour continuer, alors tu viens juste d'arriver. Ok, donc en gros, moi ce que je fais sur mes streams, alors je pense que tu as déjà remarqué, c'est pas du jeu vidéo, mais l'idée en fait, bah, de toute façon, tu as eu un peu le quelques infos sur le projet en cours, mais globalement, ma chaîne Twitch, elle me sert à partager avec les gens des projets tech sur lesquels j'ai envie d'avancer. Donc en l'occurrence, là, on a cette histoire de, on va dire, d'automatisation de services segmentés sur une machine virtuelle avec des conteneurs et de l'automatisation de Ansible.
Et en ce moment, les autres streams que je, l'autre stream de la semaine que je fais, j'en ai deux dans la semaine, et l'autre stream, en ce moment, c'est je contribue à du packaging logiciel pour le système d'exploitation NetBSD. Donc l'idée, c'est vraiment, voilà, c'est de l'admin sys, de l'admin réseau, pas forcément du développement, parce que je fais, enfin, je fais pas beaucoup de code, je suis pas très doué en code. Mais j'ose espérer que un de ces jours j'y reviendrai. Voili voilou. Faudra peut-être qu'un de ces quatre je fasse une vidéo de présentation de la chaîne. Je sais que Twitch me met le truc régulièrement. Eh, au fait, tu peux créer une vidéo d'une minute pour présenter la chaîne quand tu n'es pas là. Donc, le souci qu'on a. Ah, c'est très gentil, Chavenay. Je note ça dans un coin. Je note ça dans un coin. Donc, le souci que j'ai, qu'on a eu la semaine dernière, c'est que quand j'ai voulu faire quelques modifs justement pour créer mes répertoires, j'ai donc utilisé un truc de chez Ansible, qui est donc le Ansible Built-in File, et qui permet de créer des répertoires, des fichiers, mais dans notre cas, ce qui nous intéresse, ce sont des répertoires, et surtout de faire de la création récursive. En d'autres termes, c'est l'équivalent de... Voilà, c'est l'équivalent de mkdir-p. Il n'y a pas de problème à Katukoai, hein. Tu peux être un amateur. On est tous des amateurs, j'ai envie de dire, à différents niveaux. Et moi, je dis souvent, généralement, sur cette chaîne, je suis pas forcément là pour vous apprendre des trucs. Je suis là aussi, et surtout, pour apprendre en direct avec vous, et parfois même grâce à vous. Je sais plus qui lors du stream de dimanche, m'avait donné des astuces pour Vim, que j'ai déjà oublié d'ailleurs, j'ai honte. Mais franchement, je pense que j'ai beaucoup appris en streamant, plus que je pense que j'ai donné. Enfin, en tout cas, j'espère que je vais pouvoir donner un peu plus. Donc, notre petit souci, c'est que donc, j'espérais que la récursion fonctionne. Et dans une certaine mesure, elle fonctionne, mais visiblement, elle ne va pas jusqu'au bout. Donc, on a une arborescence. Alors, je vais vous montrer. On a des arborescences. Voilà, comme ça, on a container volume base dir, reverse proxy doc root, containers volume base dir. Alors, ça, c'est une variable hein, qui est définie un petit peu plus haut. Et voilà, reverse proxy log. Et en fait, visiblement, ça ne va pas jusqu'au bout. Parce que si, par exemple, ici... Alors, on l'avait vu surtout avec Pyall, c'est-à-dire qu'en gros, il me crée mon répertoire, donc il crée forcément le container volume base dir, il crée le répertoire Pyall, il crée le répertoire conf, mais il ne crée pas le deuxième répertoire Pyall ensuite. Et ça m'embête. S'il existe déjà, il dit tout va bien. S'il n'existe pas, il ne le crée pas. Il fait style, oh c'est bon, c'est fait. C'est fait. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe quand on se met à lancer le conteneur? Le conteneur, lui, dans sa configuration, il dit « Tu m'attaches ce répertoire-là de la VM à ce répertoire-là dans le conteneur. » Et comme là, ça n'existe pas, qu'est-ce qui se passe? On se prend un méga message d'erreur. Donc l'idée, ça va être de vouloir essayer de corriger ça. Et donc là, j'ai ma tâche avec ma boucle qui est censée pouvoir faire le job. Alors, je vais me remettre ici, parce que tout à l'heure, je me suis lancé un petit... ici, tout à l'heure, je m'étais lancé un petit Ansible. Je vais le relancer pendant mon check. Je me demande si je devrais pas corriger cette histoire de droit d'ailleurs dans les répertoires là.
Parce que ça, à chaque fois, le fait qu'ils me disent change, 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 ça me gave. Bon, là, il a l'air de fonctionner. Il fonctionne sans doute parce qu'on avait créé les répertoires. Ah, bah non, voilà, fail. Fail. Je savais bien que. Alors, qu'est-ce qu'il a dit ici? Change payall host srv containers payall conf payall pod. Il a réussi à. Attends. Où est-ce qu'il s'est. Où est-ce qu'il s'est planté? Parce que les. Alors, les logs de Ansible, franchement. Voilà, error, statfs. Voilà. Il est censé l'avoir créé. Mais il nous dit no such file or directory. Alors qu'il nous dit, un peu plus haut, créer les volumes directory. Il me dit bien, au fait. Non, il est où le payall? Il est là. Il nous dit, et au fait, SRV containers payall conf payall. Je l'ai créé. Genre, il me ment, quoi. Donc, comment est-ce que je peux. Donc, j'ai quand même les conteneurs qui sont lancés. Alors, ce que je voudrais voir, c'est par hasard, si jamais je relance le Biniou. Donc là, forcément, il me dit change. Je pense que je vais vouloir le corriger bientôt, ça. Ça commence un petit peu à me. Donc là, c'est pareil, il me dit change. Chelou cette affaire qui me dit. Enfin. Ah non, il se remet encore en carafe. Alors je voudrais tester un truc. Je voudrais tester un truc. Je voudrais voir si c'est ça qui pose problème. Est-ce que c'est le fait que ce soit dans une variable comme ça qui pose souci? Je vois pas pourquoi, mais. Hop, dégager. De toute façon, je pourrais toujours les remettre. Est-ce qu'il a réussi à le créer? Attends, si je passe ici sur la machine, que je passe en sudo-i. SRV containers. Payall. J'ai un conf et un log. De toute façon, je peux faire un. Hop. Donc j'ai juste conf et log. Et je suis censé avoir conf et log. Ok. Donc je suis censé avoir un conf payall et je suis censé avoir un conf DNS mask. Hop. Voilà, allez, c'est reparti. Alors je sais, enfin on a vu dans le log qu'il prenait bien, il interprétait bien la variable, mais dans le doute. Donc ça c'est les Nginx, c'est normal. Et maintenant, voilà les Nginx.
Les Nginx, ils fonctionnent. Mais c'est, ils fonctionnent aussi parce que je ne... Ah, bon, bah non, il n'en veut toujours pas. Ah, attends. Attends. Il a fail. Il dit quoi ? Host. Slash payol, slash conf, slash DNS mask. Non, attends. Host. Pourquoi il y a un slash payol, slash conf, slash DNS mask ? C'est moi qui me suis trompé ? Oui, c'est moi qui me suis trompé. J'ai oublié. Ah, il s'est... Ça, à la limite, c'est mon erreur. C'est une chose. Mais les autres trucs, error statfs... No such file or directory. Parce que vous allez voir, si je fais un petit podman ps. Ok. Ensuite, je fais... non, je pensais à... podman... C'est quoi déjà la commande ? C'est podman stop. Ok. Podman... Stop. On va couper. Bon, on va juste couper le payol. Salut Augustin, bienvenue sur la chaîne. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je tente d'automatiser du déploiement de conteneurs. De conteneurs Podman qui sont compatibles Docker. Et j'essaye de les automatiser en utilisant Ansible. Je ne sais pas si tu connais ces technos. Podman sans S. PS. Donc, OK. Maintenant, -rf srv container payol. Voilà. On va juste faire un ls du srv containers. Donc, on a bien... Juste site 1, site 2 et reverse proxy. Et maintenant, on va retenter. Et sinon, Augustin, en dehors de ça, je suis plutôt sur une orientation administration, système et réseau, voire DevOps sur cette chaîne Twitch. Le tout sous Linux ou sur de l'open source. Généralement à 99%. Ok, dev web, orienté front, mais le back c'est cool. Ok, alors. Host. Tiens, là par contre c'est passé. Il fait des erreurs de statfs. Donc il a recréé le payol. Tu es dans le JavaScript. Ok. Je trouve ça assez courageux. JavaScript, c'est un truc, ça, du moins que j'en ai vu, j'ai toujours trouvé ça difficile à lire. Et tu contribues à Node.js. Ah ouais, pas mal. Pas mal. Je suis pas un grand fan. Mais dans la mesure où ça fait partie des technos en vogue, je salue la contribution. QB64, je sais pas ce que c'est que ça, tiens. C'est quoi ça, QB64? Modern Extended Basic from... Oh, punaise! Ah oui! Ok, aidé! Hop là. Bon courage, Akatukwai. Bon courage au travail. Il n'y a pas de souci, effectivement, le replay sera dispo. Et merci d'être passé. Alors. Euh...
Donc il me refait une erreur StatFS, à chaque fois il me dit conf.payall no such file or directory. Alors, je voudrais tenter un truc. Je vais tenter un truc débile. Ça, c'est les valeurs, enfin les variables. Ce que je suis en train de me dire, c'est que là, normalement, j'ai. Alors, sim configurations. Nope. Créer les volumes directory de Popman. Je serais tenté, en fait, j'aime pas ce que je vais faire, parce que ça va à l'encontre de mes. J'ai envie de, du principe dry, mais. Je me pose la question de si je duplique ce truc. Est-ce qu'une fois qu'il me l'a créé une première fois. Non, remarque, je l'avais. Non, j'avais déjà fait le truc. Quand il me. Quand j'ai relancé deux fois d'affilée le playbook. Je vais quand même le faire pour le principe, on sait jamais. Juste histoire de voir si c'est un. Hop. Allez, on coupe le payroll. Ensuite, SRV containers payroll. Hop. Dupliquer, c'est tricher. Mais honnêtement, on ferait tous pareil. Effectivement. Mais c'est juste pour voir si jamais le truc qu'on lance deux fois d'affilée, qu'est-ce que ça, est-ce que ça fait quelque chose? Déjà lancer le playbook deux fois d'affilée, ça ne l'a pas fait. Surtout qu'en plus la blague c'est que voilà, là il fait des changes, il va en lancer un deuxième, donc en théorie il devrait dire dans, voilà, il devrait dire c'est full OK en fait. Il me dit c'est full OK. Il me dit j'ai créé toute cette arborescence là. Il me le dit. Et il me ment. Il me ment. Il a pas créé le répertoire Payol. Maman, il est méchant avec moi, Ansible, il ment. Salut à toi Nebed. Pas de soucis Xavier. Bonne fin de soirée à toi aussi. Merci d'être passé. Voilà. Et il me refait erreur, StatFS, pas de répertoire. C'est quand même dingue ça. C'est quoi, c'est un bug de Ansible? Il est où le Ansible Project Page? Getting started. Oui, mais non, c'est pas ça que je veux. GitHub Ansible. Ok. Donc ils sont sur GitHub. Ok. Issues. Enfin là, je suis en train de penser que c'est un problème de chez Ansible, hein, mais si ça se trouve, ça ne l'est pas. Hein. Si ça tombe, MS-DOS est encore bourré. Alors, peut-être que c'est Ansible. Effectivement, Ansible.builtin.file. Allez. Ouais, non. Symlink non plus. 28 de. Ah, on sait jamais, hein, ça a peut-être été fermé il n'y a pas longtemps. Hein, mais. State empty directory.
Ouais, non, c'est pas. Bon, il n'y a personne qui a l'air d'avoir de ça, donc soit je suis le seul à avoir le problème. C'est quand même chelou. Enfin, là, je sais pas, mais on parle de trucs qui ont été corrigés en 2022. Enfin, normalement, je mets régulièrement à jour Ansible. Bon, je pense pas que ce soit un bug en vrai, mais si ça avait été un bug, ça m'aurait peut-être quelque part rassuré. C'est exactement ça, quand tu arrives au bout de Stack Overflow et que tu te sens si seul. Je suis complètement d'accord, Rancune. Je pense pas que ce soit une question d'effet démo, Chavenet, parce que je l'ai lancé. Est-ce que je l'ai lancé hors stream? Je crois pas. Alors, ça c'est un commentaire. Je vais l'enlever. Ça. Je vais l'enlever aussi de toute façon. Tiens, je vais tenter. Juste volume. On va tenter comme ça. Non, là par contre, il m'envoie vraiment. Pas de soucis, Rancune. Profite de ton mojito. Mais avec modération, hein. N'en bois pas trop. Pourquoi il n'en. Ah, oui, c'est un problème de. Hop. Hop, c'est le YAML qui est pas valide. Non, il fail. Volume is undefined. Ok. Oups là. Donc a priori, si je reprends mon truc, item 0, item 1.host. D'accord que lorsqu'il me fait. Donc il va se replanter à nouveau, mais à la limite, c'est pas grave. À moins que ce soit à cause des droits. À moins que ce soit à cause des droits. Attends, quand il crée les volume directories, item, donc site 1, item, py all. Donc là, il m'affiche bien, donc ce qui m'affiche, il me dit bien item.0.name, item.1.host, donc item.0.name, c'est donc bien. Donc il m'a bien dit, genre reverse proxy. Voilà, pyall, donc il m'a bien mis ça. Et le item.1.host, donc il est bien allé dans le volume et il est allé me chercher le bon chemin. Donc on lui donne la bonne information. De ce côté-là, a priori. Attends, désolé, je. Hop, voilà. Donc a priori, ça, la boucle, la manière de boucler est bonne. Mais si ça se trouve, enfin, je vais essayer de corriger les droits. Je sais pas si ça va changer quoi que ce soit. Donc oui, bon, bien entendu encore. Hein. Mais bon. Déjà, je voudrais jeter un œil. Je fais SRV. Slash. Donc slash SRV, déjà, il est en 755. Ok. Container, il est en 755. Ok. Et les autres ici, là, ils sont en 755. Si je vais dans site 1, forcément,
Ouais, conf est en 700. Nginx, ok. Alors, quand je fais ma synchro, je lui dis d'aller dans delete, recursive, ok. Et il loop sur les containers. Ok. Ok. Donc, dans ce cas-là, ce que je peux faire, c'est aller role, on va aller dans templates et là on va se rendre compte que dans j'ai effacé mes templates. Non, arrête, j'ai effacé mes templates. Ah non, 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 c'est juste que ce répertoire là il a rien à faire ici. Celui-là, il n'a rien à faire ici. Donc, si je vais dans VPS, là, j'ai un répertoire templates. Voilà, là, j'ai des choses. Et on voit bien que c'est tout en chmod 700. Si je fais un ls-hlr. Voilà, à chaque fois, je suis en 700. Ok, allez. Find.a, remarque. Chmod 0755 reverse proxy nginx. Voilà. Moins exec chmod 0755. Non, c'est pas ça. Hop, je me rappelle jamais. Voilà. Ah oui, c'est vrai que dans Git, comment on... to change chmod permission dans un fichier dans Git. Bah il faudra peut-être que je l'ai git add, ouais, à la limite git add template. Bim. Bah il a rien, de ajouté. Il a rien dans le dans l'espace de travail. Hein, Non là par contre lui il dit git update index. Donc à la limite ce que je peux faire, c'est faire dans mon find hop moins exec. Git update index moins chmod égale 0755. Ah, il réclame plus x. Mais il est déjà. Les fichiers sont déjà plus x vu que je. Non, les templates n'ont pas été modifiés. Techniquement, tous les répertoires sont passés en 0755. Under the wood, while this looks like regular. Bonne soirée à toi, Chevenet. Merci d'être passé.
Non, il est en... Chelou cette affaire. C'est peut-être le cas, effectivement. Bon, en tout cas, ça c'est bon. Ensuite, je vais faire un autre find. Mais ça va être moins LS, ce sera moins type F. Et là, ils sont tous en RWX, sérieux? Je vais mettre en 6-4-4. Moins type F, moins exec chmod, hop, hop, 0, 6, 4, 4, paf, je refais mon, voilà, 6, 4, 4, et là si je fais un git status, là par contre les fichiers, voilà, là il les a modifiés, ok. Pourquoi task? Oui, task main.yaml, logique. Oui, logique. Donc git add templates, git status. Voilà, là il me dit modified. On va voir s'il a juste. Allez, git commit, moins m, fix config. File write and mode owner and mode, on va dire. Non, juste mode. Tac. Ploup. Maintenant, si je refais mon petit Ansible Playbook. Slash droit, slash attribut. Ouais, effectivement, mode plutôt que write. Ouais, non, il les a refait. Il a refait les champs. Alors attends, on va se limiter à un. Ici, sync configurations. Config, on va dire sync. Et là, les 1, voilà, on va mettre ça, on va faire mkdir. Voilà. Donc, finalement, celui-là, on n'aura même limite pas besoin de le créer, en fait. 0755. Hop. Allez. Je reviens ici, je fais moins moins tags, je crois. Moins moins tags, et j'ai dit mkdir, virgule, et sync. Si c'est comme ça. Non, il recommence. Il a fail sur les signes des configs. Alors. Alors pourquoi? Ah, c'est parce qu'il trouve pas de template payroll. Ok. Je crois que je viens de comprendre. Est-ce que ça serait pas la synchro? Est-ce que ça serait pas la synchro qui efface? Puisque dans ma partie synchro, j'ai un moins moins delete. Donc, en fait, ce qui va me suffire de faire, je vais dans le contrôle, VPS, ben non, attends. Hop. On va aller ici, on va aller dans template,
Et on va faire un mkdir moins vp de payol conf. C'est conf, hein, c'est ça? Ou c'est config? Conf. Et on va créer un payol et on va créer un DNS mask. Conf payol. DNS mask. Hop, non. Voilà. Slash et on va faire point git keep. Et ensuite, chmod, juste par précaution, chmod moins r 0755 payol. Et éventuellement chmod 0. 6, 4, 4. Celui-là et celui-là. Et maintenant, je vais relancer mon bignou. Alors, on va s'assurer que c'est ça. D'une autre manière. Donc là, j'ai bien mon SRV containers. ls-hla d'ailleurs. SRV containers. Payol. J'ai mon conf. Tiens, qui appartient à Nils. Ah. Donc ma config. Ah, il m'a refait un répertoire conf dedans. Il sait pas, il a pas aimé. Pourtant, template item.name. Source template item.name slash payol conf. Ah mais oui c'est normal. Ok, alors je vais la refaire. Allez, on efface. Donc ce sera pas un mkdir payol conf, ce sera un mkdir payol slash payol DNS mask. Voilà. Ensuite, chmod le répertoire payol et le chmod 0644 voilà. Allez, on relance. Alors, à la limite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un rm-rf du srv container payol. Voilà. Et là, je vais juste lancer le mkdir. Donc il va. J'ai dit juste lancer le mkdir, pas le sync. Juste lancer le mkdir. Bon, ok, il change les droits sur Nginx. Enfin, il change le owner, visiblement. Et là, il me les crée. Ok. Et là, maintenant qu'il me les a créés, si je regarde, si je fais un tri moins A de ça, j'ai bien mon conf, c'est pas moins grand A. Même ça, c'est normal, c'est que j'ai pas, ouais. Donc il m'a fait un conf DNS mask et un conf payol. Et si jamais, ce que je vais faire, c'est que ici, pour le moment, je vais déplacer le répertoire payol de mon truc de template. Je vais le mettre dans tilde slash tmp. Tiens, allez. Et là, maintenant, si je fais juste le sync. Allez,
ils se viandent, forcément. Alors pourquoi avant ils se viandaient pas? C'est chelou cette affaire. Bon. Et si je fais un mkdir, mkdir, virgule 5. Là, il va me dire les répertoires payol. Voilà, ils existent déjà. Là, il fait les synchros. SRV container payol conf DNS mask. Pourquoi il dit no... Ah bah oui, no such... Oui, normal qu'ils disent no such file directory. Vu que j'ai déplacé mon truc. Mv tilde slash pmp payol. Non, point slash. Voilà. Là, ça va passer. Là, je crois qu'on tient le bon bout. Voilà. Mais bien, il m'a gardé les trucs. Tiens, par contre, il m'a pas laissé... Ah, voilà. Point gitkeep. Alors, la question, c'est... Il m'a bien créé des... slash srv containers payol conf dns mask. Ah, mais c'est pas un répertoire que je voulais créer. C'est pas un répertoire que je voulais créer. Fiche train. Rmdir. Voilà. Allez, touch. Maintenant, pour faire le ch mode. Voilà. Tac. Donc là, normalement, si je la refais. Alors donc la raison pour laquelle je fais des fichiers vides.gitkeep, c'est justement pour que Git puisse ensuite garder l'arborescence, parce que si je mets pas de fichiers dans les répertoires, Git va pas apprécier que... Hop. Voilà. Là on est bien. Là on est bien. Voilà, donc en fait le souci... C'était la synchro. Le souci, c'est la synchro. C'est pas le... C'est ça. Il ne stocke que des fichiers, pas des répertoires. Donc à partir de là... À partir de là... Untracked file, role VPS, template, payol... Oui, normal. Status. Ok. Allez, petite commit. On aime. Alors, le message de commit. Le message de commit. Le message de commit. Je suis en train de penser à un truc là, les camarades. Hop. Je devrais même dire les amis. C'est que la synchronisation des configurations, elle pose problème. En fait. Il y a un souci. Il y a un souci. C'est que là, je lui dis, vas-y, crée-moi les répertoires de configuration. Sauf que je lui dis aussi derrière, synchronise-moi les répertoires de configuration de tous, je dis bien tous, les conteneurs. Or, ça veut dire que je vais devoir me retrouver avec ma config payol, alors que payol c'est un outil web qui va me générer une config. Alors je pourrais peut-être la backuper et la restaurer à un moment, mais finalement cette config là je veux pas la synchro,
Et quand je vais m'installer mon conteneur VPN, je vais sans doute générer des clés. Je vais pas mettre les clés dans mon repo Git. Donc en fait, quelque part, je n'ai résolu qu'une partie du problème. Il faudrait que je trouve un moyen d'exclure de ma boucle, finalement, ou alors de créer une autre variable et de dire voilà la liste des conteneurs dont il faut synchroniser la configuration. Qu'est-ce que vous en dites? Je suis en train de me dire qu'en fait. Bon, déjà, je vais commiter ça. Je vais commiter ça. Même si c'est pas parfait, loin de là, je vais le commiter. Create all de directories créer les répertoires corresponding to container volumes. Voilà, on va mettre juste volume en fait. Volume. Because config volumes were not always here. They were removed. So I needed create empty directories. Voilà. Ok. Donc là, c'est commité, c'est push, c'est en ligne, vous pourrez en profiter. Maintenant, ça me pose quand même un autre souci. Ça veut dire finalement que ma boucle ici, elle n'est pas bonne. La source. Loop contrôle avec un label. Hop. Tac. Et pour le moment, j'ai item.name. Hop. Et on va afficher. Hop. On va revenir ici et on va juste faire la synchro. On va continuer à avancer sur la synchro. Donc là, forcément, normalement, il devrait me dire, voilà, ok, et il m'affiche les items. Donc ça, c'est cool. Si je veux faire les choses proprement, le principe, ça va être de dire, si j'ai des templates de conf pour un conteneur, oui, il faut les synchroniser. Si je n'ai pas de template de conf, faut pas les synchroniser. Et là, ça devient un peu problématique. Je
pourrais gérer la chose plus simplement en me disant, bah, je fais une liste des conteneurs dont les configurations sont stockées dans le Git. Et à ce moment-là, je les mets dedans. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que ça va me poser un autre problème avec les conf Nginx. Faudra que je stocke les certificats pour le SSL. Faudra que je trouve un moyen pour ne pas les stocker dans Git. Alors, de toute façon, je compte faire du Let's Encrypt. Comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Ouais, au lieu de boucler sur toute la liste des conteneurs. Parce que là comme ça, si je boucle sur, je veux pas boucler sur tout ça. Il faudrait que je construise la liste. Au final, il faudrait que je construise la liste à partir de role VPS. Il faudrait que je construise la liste à partir des répertoires qu'on trouverait dans le répertoire là. Donc limite. Faudrait genre que je fasse un find ou un ls-d, le résultat d'un ls-d. Ou un find, ou effectivement find. Moins type D, moins max depth 1. Ah, pardon. Hop, moins type D. Voilà. À ce moment, je lui fais faire un base name de tout ça. Et après, je lui dis, tu me synchronises. Franchement, ça va être plus simple de juste gérer une deuxième liste. Hein. Je vais peut-être prendre l'option un peu fainéante. J'ai une autre idée. J'ai des recreate true. Je peux faire éventuellement un sync true. Je fais un sync à true. Et ce que je peux faire ensuite dans mon sync configuration,
Là, j'ai mon loop. Donc containers. Mais je peux faire un when éventuellement. J'ai pas des when quelque part? Tac, 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 tac. Non. Allez, hop, on va voir les Ansible when. Tac. Voilà. Conditionals. Alors, using conditionals in loop. When. Ok, on peut. Donc, on pourrait avoir ici when. Et en fait, on aurait item, non pas point name, mais on aurait un item point sync. J'ai un doute sur la syntaxe. Hop. Égal, égal, trou. Ah, non, attends, il attendait à lire du... Il a eu quoi? Ah, ouais, d'accord. Donc, ça se trouve, il faut que je mette... comme ça, peut-être... Donc là, forcément... Ah non, il me dit quoi? Conditional statements should not include Jinjado templating. Find item.sync. Ah! Parce que là, du coup, si je dis dans PyAlls sync à false, il le fait quand même ou il le fait pas? Il va me warner, ouais. Et il skip. Ah, c'est dommage! J'avais une bonne idée, là! Je crois que mon idée, elle était à la limite de l'élégance. Je vais copier le warning et puis on va aller voir quelque part des fois que... Ouais, voilà, c'est ça. You should when condition, oui. Hey, salut Cool Geek. Une condition when, c'était juste donc pas de... Ah, donc en fait, il n'y a même pas besoin, c'est ça que tu me dis? C'est-à-dire qu'en gros, je peux laisser le item.sync sans... comme ça, en fait. Hop. Allez. Oh, génial! Oh, génial! Ça, c'est chouette. Ah, oh, j'aime bien quand ça fonctionne comme ça. Donc là, à partir de maintenant, ce qu'on peut faire, c'est aller faire un petit rm-rf du role vps template payall. Voilà. Git commit moi. Attends, je vais faire un petit git div d'abord.
J'ai le item, j'ai les sync, ok. Donc git commit moins a. Donc add sync state for containers that don't need. Having a config. Hop, voilà. Ok. Voilà, donc là, cette fois-ci, ce qu'on va pouvoir faire, on pourra repartir from scratch. Je vais aller ici, on va faire un RM-RF de ce truc-là. Voilà. Remarque, Podman PS, il a des trucs qui tournent. Podman. Allez, on va repartir du bon pied. Stop ça. Il va peut-être pas aimer. Si. Hop. Salut à toi Adrien. Allez. On va en profiter. Petit shootout à notre DJ favori. Je suis désolé Adrien. Je suis super en retard sur tes vidéos YouTube. Faut vraiment que je les regarde. Salut à toi Capwick et bienvenue sur la chaîne. Donc maintenant j'ai mes conteneurs qui sont arrêtés, ou presque. Hop, il m'en manque un à désinguer, voilà. Il me les repop ? Non ! C'est moi qui ai oublié de les stopper, je pense. T'as cliqué au pif. Après, t'as vu... Oh non, non, t'inquiète, je fais pas des... Enfin, ça dépend des jours. Mais là, c'est... Hop. Allez, c'est reparti. C'est reparti. Non, franchement, franchement, en plus, vous arrivez au moment où les choses se mettent à fonctionner. Hein. Enfin, là, je dis ça, bien entendu, ça va pas marcher. Sinon, c'est pas drôle. Skip, skip, ouais, skip, skip. Allez, run, 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 run. Allez, 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 allez. Ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher. Allez, allez, j'en peux plus. Vas-y, avance, dépêche. Allez, exécute-toi, finis l'exécution. Enable... Oh, c'est bon signe, ça. C'est bon signe, ça. Ça va passer, ça. Oui. Ah, je suis content. Ah. Ouais, ouais, clipper ça. Salut à toi, TFE. Bah, vous arrivez au bon moment, dites donc. Regardez-moi ça. Ah. Bon, alors maintenant, il reste encore un truc qu'il va falloir gérer. Il y a encore un truc qu'il va falloir gérer. Alors déjà d'une, mes conteneurs, ça va marcher, ça va. Bravo Adrien, bravo Adrien. Si je reviens ici et que je fais donc, hop.
Hop. ETH0. Hop. HTTP 2.//. Paf. Sur le port 8053, on a dit. Oui, forbidden parce que je mets jamais le slash admin. Voilà. On va lancer la petite commande dans le conteneur. Podman P, allez, podman exec, moins IT, bin bash, voilà. Hop. Payol moins P, hop. Voilà, ça c'est fait. On lui a mis un mot de passe bidon, et hop. Et normalement, si je déco, et que je fais un laisse-moi le server containers payol conf payol systemd om, oh la blague, systemd om nils, oh la blague. Mais voilà, j'ai mes fichiers. J'ai mes fichiers de conf. Alors la question que je me pose maintenant, c'est est-ce qu'il y a moyen... Est-ce qu'il y a moyen... est-ce qu'il y a moyen dans Payol de faire un export-import de la config? Settings. Disable, flush, power, restart. Non, j'ai pas l'impression, hein. Tous les outils... Ah si, non. C'est ça, je pense que l'UID dans le conteneur correspond à celui de mon système, Adrien. Payol diagnosis, ouais, ok. Update gravity. Search add list audit log tail payol.log. Network. Non, c'est pas top, mais c'est pas grave, hein. C'est pas dramatique. Enfin, oui et non. Oui et non. Ça veut dire que potentiellement il y a un... Il y a un truc sur la machine qui peut venir, qui est techniquement a les droits d'aller modifier la DB. Maintenant, j'ai envie de dire, c'est le host qui héberge le conteneur. Non, moi par contre, ce qui m'en kikine. Bah, en même temps, les conteneurs, que les choses soient très claires, hein, les conteneurs, ça a jamais été un silver bullet niveau sécu. Hein. Je ne vois rien dans... on va aller chercher. Payol. Export config. Alors, Cool Geek, oui, Podman sait faire du rootless, mais là on est exécuté en tant que root pour une raison très très ballot. C'est que on a des unités systemd pour démarrer les conteneurs au boot de la machine, et visiblement c'est une limitation. De la feature des unités systemd. Non, je sais plus si c'est une feature, une limitation de la feature de générer les unités systemd via Podman, ou une limitation du rôle Ansible que j'utilise pour gérer Podman, qui fait que bah, les conteneurs doivent être lancés en tant que root. Mais imagine, ça prend un UID supérieur à 1000 et que tu as des users non-admin sur la machine, ils peuvent corrompre les datas de tes conteneurs. Ah bah tout à fait, Adrien. Je suis complètement, complètement d'accord. Mais n'est pas capable d'utiliser... Oui, bah oui, forcément. Après, tu peux faire des redirections de port, hein, Cool Geek. Tu peux dire... on peut s'arranger avec des redirections de port. On s'en branle des ports, tu fais du reverse proxy ensuite. Avec les unit files, tu peux lancer une commande en tant que user. Alors, Capwick, oui, bien sûr. Mais
C'est une limitation soit de la génération via Podman, soit de la génération via Ansible dans le module, dans le rôle Podman. Donc Capwick, dans l'absolu, si je craftais les unités système D à la main, ouais, on pourrait. Sauf que j'ai pas eu envie de crafter les unités système D à la main. Tu vois, c'est comme là, ce soir, je me suis dit, tiens, on peut détecter les répertoires de config et faire les synchronisations en fonction des répertoires de config. Et je me suis dit, bah, finalement, je vais rajouter un sync à true ou false et je vais dire, eh bah, si c'est sync à false, tu touches pas. Adrien, je préfère les moutons. Ici, on est team mouton. Il y a des emojis moutons à utiliser, d'ailleurs. N'hésitez pas à vous en servir. Ils sont là pour ça. Alors, pour des services web, oui. Pas sûr que ce soit possible pour du DNS. Eh, effectivement, pour du DNS. Ouais, alors bon, après, de toute façon, il y a toujours la redirection de port qui est possible. Hein. Au pire des cas, je fais un coup de redirection de port à grand coup de firewall D. Hein. Honnêtement, c'est jouable. C'est... Par contre, effectivement, ça veut dire qu'il faut... si ton reverse proxy est ainsi dans un conteneur rootless. Oui, mais Capwick, que ce soit HA proxy ou Nginx, la problématique... Ça reste de toute façon d'écouter sur un port inférieur à 1024. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, vous remarquerez que... Ah oui, non, je ne les ai pas là. Mais ce que j'aurais pu faire... Ouais, non, je les ai mis là. 80, 80, 443. J'aurais pu les mettre sur des ports supérieurs à 1024 et me balancer comme je disais, une redirection de port via Firewall D. Adrien, quel message a été bloqué? Qu'est-ce qui se passe? T'as mis trop de caps? T'as mis trop de... T'as fait une répétition de tes cochons? Bon. Bien, bien, bien. Alors, oui, j'en étais aux documentations. Est-ce que... Tiens, backup, payol config, Reddit. Non. Et je rejette les cookies non essentiels. Ah, t'as mis plein de moutons. Oh, bah mince. Oui, mais attends, c'est quoi ces moutons-là? C'est pas mes moutons, ça. C'est pas mes moutons. T'as pas accès à mes moutons, Adrien? Depuis le temps que tu passes sur la chaîne, tu dois avoir assez de... Peut-être des points de chaîne pour utiliser des emojis moutons. Voir dans une VM à part via une VIP. Ouais, mais cool geek, l'idée de base, je sais pas si t'es arrivé quand j'évoquais, pour l'instant, l'idée c'est de tout avoir contenu dans un seul VPS. Parce que l'idée c'est de mettre tout ça genre sur un VPS à pas cher en fait. Et je parlais notamment de low-end box qui recense pas mal de. Ah, magnifique, Adrien. Magnifique. Elle est belle, celle-là. Franchement, bravo, Adrien. GG, Adrien. Non, mais tant mieux que tu sois intenable. C'est marrant. Hein. Ça rend les choses beaucoup plus amusantes. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus ce que je voulais dire. Un VPS... Ouais, un VPS cheap. Ah ouais, mais c'est très drôle. J'aime beaucoup. Ah, vous me faites bien marrer ce soir. Ah, n'empêche, ça fait du bien d'avoir passé outre et d'avoir compris quel était le souci avec... Et donc, ce n'était pas un bug dans Ansible. Quand je commence à évoquer l'idée d'un bug logiciel, je me dis toujours... Non, mais Niels, t'abuses quand même, parce que c'est pas un... Ça peut pas être... Enfin, il y a un moment... comment puis-je avoir l'outrecuidance de dire que c'est un bug dans le logiciel? Bref. Bug et Ansible, c'est la même chose. Hashtag Team Puppet.
Honnêtement, je pense que à partir du moment où on se met à travailler très longtemps avec un outil de gestion, soit un outil de déploiement ou de gestion de configuration, comment on les appelle, peu importe, il y a toujours, de toute façon, à un moment ou à un autre, on va tomber sur un bug. C'est plus on bosse avec et plus c'est risqué. Hein. Toujours est-il que, voilà, l'idée c'est que, voilà, pour en revenir sur les VPS à prix fortement réduit, voilà, l'exemple c'est que en allant sur le lowenbox.com, ils font régulièrement des comparatifs de fournisseurs de VPS vraiment, vraiment pas chers. Et là, le premier de leur liste, qui s'appelle Racknerd, propose une machine avec un vCPU, 10 Go de stockage SSD, 768 Go de RAM, une adresse IPv4 dédiée. Il y a pas mal de versions. Bah, on est en train de regarder. Il y a pas mal de distrib. Et c'est 10,28 $ à l'année. Ouais, mais là, Adrien, on est à moins de 1 euro par mois. Là, on est à 10,28 $ par an. Donc en gros, c'est 1 $ et quelques par mois. Et il t'offre juillet et août. Tiens, juste pour la blague, je vais aller voir chez Yonos. C'est quoi leur VPS à 1 euro par mois? Yonos. Paramètres. Enregistrer les paramètres. Cloud Computing. Allez, cloud computing. Pourquoi choisir? On s'en fiche. Moi, ce que je veux, c'est les prix. Vue d'ensemble des composants cloud. Je veux un cœur. Va de Oh, vous êtes salé. Va demander au chef. Ok. Ah oui, mais non, ça, c'est la partie cloud compute IaaS. Domaine et hébergement. Qu'est-ce qu'ils ont? Ah non, serveur, ça va être là. Serveur virtuel. Voir les packs. Ah non, mais t'es à 1,20 € TTC aussi, hein. Voilà, t'es à 1 € hors taxe. Après, tu me diras côté. Remarque, côté. Je sais pas comment ça se passerait au niveau des taxes. Et par rapport à la conversion euro-dollar classique. Et c'est du KVM. Attends. Ah non, attends, il a 512 mégas en plus. Alors Claude, il a 768 mégas de RAM. Data Center, Europe centrale. Bon, c'est un peu plus proche que Racknerd, parce que Racknerd, on avait le choix en termes de localisation. San José, Atlanta ou Ashburn. C'est où Ashburn, tiens? Allez, maps.google.com. Tout refusé. Ashburn. C'est en Virginie. Ok. Pas loin de... Ah, ok. Parce que sinon, il disait quoi? San José en Californie et Atlanta. Donc, honnêtement, bon, après, faut quand même traverser l'océan Atlantique au niveau des câbles. Rocky ou Almam? Alors, bonne question. Perso, j'ai pas fait mon choix pour le moment. Je vous avoue. J'aurais même tendance à dire finalement, pour le peu de choses où j'utilise entre guillemets de l'Enterprise Linux, j'essaye d'utiliser de la Fedora en fait. Ok, parce que Adrien est sponsor Alma. Alors, on va jeter un œil. Qu'est-ce qu'il propose comme système version?
Et ben, il y a du Alma Linux 9, il y a de la CentOS Stream 9, il y a de la Rocky Linux 9, mais il n'y a pas de Fedora. Après, à la limite, mieux. Le pont dans la. Capwick. Oh, Capwick. Je sais pas si, je sais pas si c'est un humour que tout le monde va apprécier. Oui, ben, alors, attention, ça va dépendre aussi de. Ça va dépendre de la manière dont dont la VM est faite. Hein. Data center, Europe centrale, Royaume-Uni, Espagne, États-Unis. Serveur virtuel, cloud S. Mais après, si c'est un bon vieux KVM, si c'est un bon vieux KVM, ouais, il y a moyen. Tu installes une CentOS ou une Debian, ou peu importe. Et puis derrière, tu peux retenter de faire comme on avait fait il y a quelques il y a un petit moment de ça. Il y a un petit moment de ça, j'avais montré des moyens de réinstaller depuis un système existant. Il y a peut-être moyen de s'arranger. Non, à Capwick, par contre, tu fais attention un petit peu. Hein, je laisse passer cette fois si tu abuses un peu trop sur l'humour noir. Je commencerai à devenir un peu moins sympa. Donc, ceci étant, à la limite, je préfère me limiter au clone d'Enterprise Linux. Parce que du côté de chez Racknerd, par exemple, eux, les versions de Fedora qu'ils fournissent, honnêtement, c'est criminel. Enfin, on est sur des Fedora inférieurs à 30, quand même. Donc en gros, c'est qu'ils les ont mises à une époque. Ils ont même sauté une édition. Ils ont mis 27, ils ont mis 29. Genre peut-être qu'ils avaient de la demande client. Et puis après, personne n'a rien dit. Enfin, à un moment, ils assument. C'est soit ils proposent, soit ils proposent pas. Et honnêtement, laisser traîner des versions de Fedora qui sont antédiluviennes, enfin, je trouve ça pas très classe. Maintenant, vous me direz, un fournisseur qui est capable de proposer 10 $ par an pour un petit VPS, très clairement, bah, comment dire, ils font. Je sais pas s'ils arrivent à marger là-dessus, mais. Ah oui, non, mais c'est très certainement ça, Capwick, c'est un produit d'appel. Mais. Oh punaise! Y a même moyen, si on paye maintenant pour 2 ans, de gratter. De gratter encore quelques centimes de dollars. Et Adrien, tu dis visiblement c'est du VMware. Ok. Ok. $ US par an ou par mois? Une erreur occurred. Attends, je viens de changer le truc et. C'est quoi cette blague? Leur site, c'est même pas faire les. Ah bah. Attends, je vais. Order here. Je vais fermer ça. Hop. Alors, configurer le serveur. Et voilà, ils veulent me faire de l'upsell peut-être? Allez, paf. Si je veux deux cœurs CPU, 16, voilà, $16 par an. Ok. Et si je veux passer à 1,5 Go de RAM, ouais, tout de suite, ça picote un petit peu plus. Là, on est à plus de $2 par mois. Bref. Toujours est-il que, voilà, il y a des. Il existe.
que ce soit en Europe ou ailleurs, des moyens d'avoir des VPS franchement pas chers. Et donc l'idée, c'est de profiter de ces VPS pas chers et de faire de la segmentation. Alors de la segmentation imparfaite, hein, les conteneurs, c'est pas aussi étanche que des VM, mais donc, moi je voulais voir s'il y avait moyen de sauvegarder la config Payol. I'm planning on moving my Payol install from your Raspberry Pi to Ubuntu VM. Ok. Use the teleporter function in the settings page of the web interface. Ah. Alors, settings. Tac. Et il y a un truc qui s'appelle teleporter. Backup your Payol configuration as donné. Ah, bah voilà! Pas mal! Et il file une archive tar. Et l'archive tar, il y a tout dedans. Et donc après, il y a moyen de faire un port. Ouais, file input, bon, restore, restore, clear existing data. Ok, et ben voilà, j'aurais appris un truc sur Payol en plus. Donc il y a moyen de faire un export, un port. Bien, 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 bien. C'est plutôt pas mal tout ça, dites donc. Mais l'export seulement s'il est tard. Tôt, ça ne marche pas. Ok, je l'ai. Je l'ai. À cause de tar, à cause de l'archive tar. Ok. Pas mal, pas mal, pas mal. Bon, je me rends compte qu'il est bientôt 22h. Est-ce que j'ai tout commité déjà d'une? Ouais, j'ai tout commité. Donc si je me lance maintenant dans le conteneur VPN, ça va mal finir. Je suis en train de me dire d'ailleurs PyVPN, c'est celui-là, hein. Est-ce qu'il existe en conteneur? PyVPN. Il était tard, disait la grenouille. C'est l'histoire d'un petit étard qui croyait qu'il était tôt. Mais en vérité, il était tard. Alors, est-ce qu'on peut... PyVPN documentation. Hop. Alors, est-ce qu'ils ont... Si je vais chercher Docker. Hop. La baleine lui répondit, c'est assez. Pas mal, pas mal. C'est mignon. Là, c'est mignon, ça va, ça me botte bien. Donc il y a des images Docker a priori. Currently expérimental et on. Ah ils fournissent pas. D'accord, ils n'ont pas d'image officielle. Ok. Donc si jamais il y a une image. Si jamais il y a une image Docker PyVPN, à ce jour, elle n'est probablement pas fournie par le projet. Donc c'est peut-être pas forcément une bonne idée de l'utiliser. Pour les images, on va voir du côté. Ça existe encore, ça? Alors, remarque, ça doit brasser un blé monstre quand même les images Panini de football. Ça existe toujours? Ok. Donc, je vais pas pouvoir utiliser PyVPN. Est-ce qu'il y a des... Moi, je préfère les hot dogs au panini. vous êtes en forme ce soir, hein? Il n'y a pas à dire. Vous me faites la soirée, hein?
Je suis en train de me demander si je tape OpenVPN Docker. Alors, je pars d'abord sur OpenVPN, mais peut-être qu'après, je vais peut-être regarder WireGuard. Hein. C'est juste serveur OpenVPN en 5 minutes avec Docker. Punaise, il a fallu qu'il mette un logo qui laisse franchement penser à... L'image la plus utilisée sur le hub Docker d'OpenVPN est la suivante. Parce que c'est même pas une image officielle du projet. OpenVPN serveur dans un conteneur Docker complete avec PKI EasyRSA. Pick a name for dollar. Firezone pour WireGuard, c'est-à-dire Caprick. Ah, et puis après, il faut faire sans doute se mettre dans le conteneur pour ensuite lancer les commandes de génération classique. Ah, Jérôme Petazzoni avait fait son propre conteneur VPN. PKI, OpenVPN, config files, PKI keys, stored sur un, ouais, oui, effectivement. C'est pas bête ça. Je vais le copier-coller, je vais vous le mettre ici. Je vais. C'est maintenu au moins. C'est pas super maintenu en fait parce que ça fait 2 ans que c'est pas mis à jour. C'est quoi cette blague? Il va falloir que j'habille de moi-même mon image OpenVPN. Ah bah tiens, je suis pas le seul. Firezone, c'est un WireGuard avec une jolie interface pour le gérer. Bon, on pourrait regarder ça aussi, tiens, allez. Bon, ça c'est un... Ok. Tu as Netbird aussi qui tourne en Docker. Tiens, Netbird, ça ne me dit rien du tout. Hop là, ouais, plutôt chercher là. Hop. Zéro configuration de VPN for fast... Oula. Ok. Ouais, donc effectivement, on va sans doute passer sur du WireGuard. Hein. Est-ce qu'ils ont non, documentation déployée Docker plateforme supportée logique. Le truc de Netbird, c'est que tu dois utiliser du SSO. Donc soit tu as ton infra à côté, soit tu le montes avec le truc intégré. Ok. WireGuard kernel module needed for kernel inférieur à 5.6. Ouais, non, mais c'est bon. C'est bon. Je pense qu'on essaiera peut-être Firezone dans un premier temps, puis on verra ce que ça donne. La web admin n'a pas l'air dégueu.
Et donc, comment... Je me rends compte qu'on a oublié un truc aussi, c'est que l'histoire de... De ça, on a aussi le Varlog en fait, que je voulais mettre dans un volume aussi. Ouais, mais ça, à la limite, Capouille, que l'histoire de monter un VPN sous Windows, c'est pas un problème, en vrai. J'ai envie de dire, c'est limite hors scope. Enfin, je vais sans doute monter une VM. Enfin, en gros, à un moment, je pense que je ferai des tests avec justement des machines type VPS, soit des free tiers, soit des trucs pas chers, où je mettrais, je redéploierai ça. Et puis sur l'autre machine, je tenterai une connexion VPN. Donc, ce sera du Linux de chaque côté. Ah tiens, il a pas... Ouais, bon, ok. Donc en gros... Sudo ping. Arrivo, je crois que tu t'es trompé de fenêtre. Ça arrive. Alors Capwick, en l'occurrence effectivement son ping n'a peut-être pas besoin des droits route, mais des fois tu as des systèmes qui je crois mettent ping uniquement accessible en route et tu as des options de ping. Tu as des options de ping, ah bah voilà, Debian restrictif, mais tu as aussi des options de ping en fait qui sont qui sont limités, notamment si tu fais justement le... Je crois que, ouais, voilà, le moins petit i, l'intervalle, en fait, quand tu veux passer à un moins i0, par exemple, voilà, seulement le super utilisateur peut utiliser des valeurs comme ça. Ou ping moins f, effectivement. Le flou de ping, voilà. Non, c'est vrai. Mais si, il a une excuse. Bon. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va en rester là pour ce soir. On commencera cette histoire de Firezone ou de Netbird. On regardera où est-ce qu'on peut récupérer le conteneur. Alors non, pas rm-rf slash. Il manque le moins moins no preserve route. Voilà. No preserve route. Bien. Eh ben on s'est bien marré quand même ce soir. Et puis en plus on a réussi à aller, comment dire, à comprendre pourquoi ça ne fonctionnait pas la semaine dernière. Donc je suis très 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 content. Je suis très 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 content. Ça me fait vachement plaisir. Hey, salut The Vengeur! Quand on fait cette commande, au bout d'un moment, il arrête de delete. Je pense qu'il a plus assez de lib pour continuer. Oui, ça j'imagine. Je vous rappelle qu'on avait déjà fait ce genre de blague. On avait déjà fait ce genre de blague en vidéo, en live. Et d'ailleurs, ça fait tellement longtemps qu'on l'avait faite, cette blague, que c'est dispo sur ma chaîne YouTube. Tu as testé sur un laptop que tu devais rendre à l'employeur. Alors, dans ce cas-là, The Vengeur, je t'aurais plutôt invité à utiliser un système live et à utiliser la commande shred. En supposant que ton disque n'était pas un disque SSD. Puisque dans le cas d'un disque SSD, tu as par contre des commandes d'effacement sécurisées. Spécifique au SSD.
Mais pour en revenir aux histoires de RM-RF, hop, YouTube. Votre chaîne. Tac, vidéo. On avait fait deux lives sur le sujet. Oh, c'était il y a longtemps. Oh, c'était il y a longtemps. Je crois que j'avais appelé ça les commandes dangereuses. Hop. Mais non, je. Ah, hop là. Voilà. Allez. Hop, on va repasser là. Juste. Alors, je vais pas forcément lancer les vidéos, mais. On s'était amusé. Ah, zut, c'est repassé. Voilà. Hop. Copier le lien. Donc, il y avait la première partie et la deuxième partie. Copier link. Et en gros, je m'étais basé sur un. Je m'étais basé en fait sur un gars qui avait. Sur Twitter qui avait fait un thread. Et on avait. Et en gros, il disait ne lancez surtout pas ces commandes-là sur un système Linux, vous allez casser les trucs. Et donc, on s'est dit bah tiens, on va les essayer sur des sur une dans une VM et on va rigoler. Et on a même fait plusieurs VM pour voir la différence de comportement entre plusieurs distribs. C'était assez amusant. C'était assez amusant. Je me rappelle avoir passé un bon moment. On a bien rigolé. On a bien rigolé lors de ces tests de commandes Linux dangereuses. Bref, allez. Ça va être l'heure de se quitter, braves gens. Mais n'ayez crainte, parce qu'on va se retrouver. D'abord parce que la suite de ces aventures continuera jeudi prochain de 20h à 22h. Le projet automatisation de conteneurs n'est pas terminé. On avance bien, mais c'est pas terminé. Et j'aimerais bien aller au bout. Donc rendez-vous déjà d'une jeudi prochain à 20h. Mais si Adrien, effectivement, merci de me tendre cette perche et de me donner la parfaite occasion de faire cette transition, eh bien, si vous voulez, vous pouvez aussi dimanche à 18h me retrouver, cette fois-ci pour une session de contribution au projet NetBSD, où je ferai plutôt du packaging. Et je n'ai pas oublié, mais j'espère que vous serez toujours là pour me le rappeler aussi, puisque je vous avais déjà demandé dimanche en fin de séance, en fin de session de me le rappeler. Normalement, on va faire du packaging, on va mettre à jour fail to ban pour package source et NetBSD. Enfin, contenu correct. Oh, Capwick. T'es exigeant, dis donc. Bref, donc, avant de se quitter, est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un à raider? D'habitude, à cette heure-ci, il y a une certaine Nidouille, mais elle n'a pas l'air d'être là. D'habitude, à cette heure-ci, il n'y a pas PDP Maker ou je le follow plus? Donc, PDP Maker n'est pas là. Nidouille n'est pas là. VirtualLabs n'est pas là. C'est quand même fou ça. J'ai personne à vous raider ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est déjà parti en week-end pour. T'en connais aucun que je cite? Ah bah écoute. PDP Maker, bah, comme son nom l'indique, son projet c'est de refabriquer from scratch un PDP 11. VirtualLabs. Il fait pas mal de mince, il fait pas mal de rétro de reverse engineering et d'embarquer. Et puis qu'est-ce qu'il y a? J'avais dit quoi? J'avais dit Nidouille, VirtualLabs, PDP Maker. Ouais, c'est ça. Ah bah oui, Adrien, Adrien, c'est Adrien de Linux Tricks. Seigneur, les PDP 11, ta jeunesse. Et ben voilà, si tu veux retrouver l'époque de ta jeunesse, PDP Maker fabrique un PDP 11.
Très bien, et eh ben écoutez, dans ce cas-là, ben, une fois n'est pas coutume, on va se quitter sans avoir un raid. Il y en a une nouvelle depuis 5 minutes. Oh là. Donc voilà, bah écoutez, vous finirez la soirée en regardant les vidéos de Adrien sur sa chaîne. Donc, Ah, tu es son modo. Ok, d'accord. Bon. Ah bah, ça explique pourquoi t'es là, en fait. Ça explique pourquoi t'es là et pourquoi lui n'est pas là. Très bien. Eh bah, écoutez, je vous souhaite... avant de vous souhaiter une bonne fin de soirée, je vous rappelle que, bien entendu, vous pouvez faire point d'exclamation... socials pour retrouver toute ma présence sur les réseaux sociaux et notamment bah, ma chaîne YouTube avec les très vieilles vidéos. Je crois que j'ai un an de retard sur les replays. Et sinon, bah, vous aurez toute ma présence sur les réseaux sociaux, notamment le Discord aussi de la chaîne. Bah, tout ce qui est Mastodon, Twitter, Instagram, la totale, quoi. Voili, voilou. Je vous donne rendez-vous dimanche à 18h et jeudi prochain à 20h pour la suite de nos aventures. Bonne fin de soirée. Bye bye.